Que ce minable était faible. Qu'est-ce que c'est que ce crapaud géant? Et puis, qui êtes-vous d'abord? Merci de poser la question. Je suis un ermite du mont Myoboku, mais on m'appelle aussi l'ermite des crapauds. Souviens-toi de ce nom. L'ermite est de retour. Juste. Eh bien, bravo, l'ermite Panette. Regardez ce que vous avez fait. Ce type était censé assurer ma formation. Comment je veux faire, moi, maintenant? Ce freluquet m'a gêné dans ma collecte d'informations. Une collecte d'informations? En effet, je suis écrivain. J'écris des romans, figure-toi. Regarde. Ça alors, ce livre est de vous? Hein? Alors tu le connais? Oh oui, je suis devenu célèbre. C'est honteux à votre âge, vous n'avez pas honte? Une collecte d'informations, ben voyons, vous épiez les filles au bac public, c'est tout! Oh non, c'est pas vrai, elles se sont aperçues que je les regardais. Vieux dégoûtant, bas. Je t'interdis, je ne suis pas un vulgaire voyeur. Si je fais ça, c'est pour trouver l'inspiration qui nourrit mes livres. Tu comprends ça, petit... Sale menteur! Arrêtez avec vos fausses excuses! Qu'est-ce qu'on fait pour mon entraînement, alors? Ton entraînement? Tu parles de tes tentatives de marche sur l'eau que j'ai remarquées tout à l'heure. Vous m'avez vu? Alors prenez vos responsabilités et devenez mon entraîneur! Je prends les responsabilités que je veux. Attendez, revenez l'ermite Panette. Je veux que vous supervisiez mon entraînement. Tais-toi. Je ne supporte pas les gamins mal élevés dans ton champ. Et puis de toute façon, je n'aime que les filles. Vous savez, je voulais vous dire, moi aussi j'ai lu Le Paradis de la Drague. J'ai trouvé ça génial et passionnant. Tu n'es qu'un sale petit menteur. Ce roman est interdit de vente aux mineurs. Et je doute que tu sois majeur. Ouais, je sais, c'est un ami qui m'en a parlé. Tu perds ton temps à essayer de me flatter, je suis un éremite. Moi, je ne me laisse pas berner par des mioches dans ton genre. Non, attendez! Attendez-moi! À la prochaine, gamin! Impressionnant! Ce n'est qu'un vieux Panette, mais il est carrément génial! Eh oh! Monsieur l'ermite! Mais où a-t-il bien pu passer?
Qu'est-ce qui vous prend, sale dégoûtant? Je vous demande pardon, mademoiselle. Mais je n'ai pas pu résister. Vous avez si belle ici, à peine. Laissez-moi tranquille, espèce d'idiot! Oh! Aïe, 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 aïe! Oh. C'est pathétique d'être comme ça quand on est adulte. Il n'est peut-être pas si fort que ça, après tout. Mais je n'ai personne d'autre, alors. Oh, bien, bien. Les femmes de ce village ont toujours autant de caractère. Mais c'est justement ce qui me plaît. Comment ça, toujours autant? Vous êtes déjà venu ici? Hein? Te revoilà. Et vous, vous êtes déjà rincé l'œil? Oh, l'ermite Panette! Chut, arrête de crier, s'il te plaît, tout le monde t'entend. Taisez-vous! Je suis sûr que vous avez battu l'autre obsédé sur un coup de chance. Mais en tous les cas, je vous préviens que je vous tiens pour responsable d'avoir gâché mon entraînement. Je n'ai jamais vu un garçon aussi bruyant. Tu vas rester là dedans jusqu'à ce que tu te sois calmé, petit. Sortez-moi de là! Revenez me sortir de là, espèce de... Oh. J'aimerais bien rencontrer une jeune fille, une belle jeune fille qui me réchaufferait le cœur. Vous allez me le payer! La technique de substitution, s'il est capable de faire ça, alors ce n'est pas qu'un vieillard comme les autres! Jeune présomptueux, il lui faudrait encore à ce garçon un million d'années d'entraînement pour arriver à m'attraper. Ah oui, tu n'es pas si sûr. Aïe, aïe. Je dois dire que tu ne manques pas d'un certain potentiel, petit. C'est vrai? Vous allez me donner des leçons alors? C'est donnant, donnant. Si tu es prêt à me rendre un petit service, j'accepterai peut-être d'examiner ta requête avec un peu plus d'attention. C'est oui ou c'est non? Écoute-moi bien. Je cherche un beau fruit avec de belles formes là, de belles formes là, et puis surtout avec de belles formes là. Ramène-moi quelque chose comme ça et je deviendrai ton entraîneur. Vous me le promettez? L'ermite des crapauds ne ment jamais. Bon, attendez-moi ici! J'ai dit que j'attendrais là, mais je crois que mes projets ont changé. C'est parti. Mesdemoiselles! Eh oh! Oh oui, vous! Attendez-moi! Et il a plongé la tête la première. Et ça s'est vraiment passé comme ça? Absolument. C'est une histoire, tout ce qu'il y a de plus vrai, mesdemoiselles. Qu'avez-vous fait ensuite? L'ermite Panette! On l'appelle l'ermite Panette. Quel idiot, celui-là! M'appeler comme ça devant les jeunes filles! J'ai rapporté ce que je vous avais promis. Voilà un beau fruit avec de jolies formes! Espèce d'idiot! Ce n'est pas ce que je t'ai demandé! Ça a l'air drôlement bon, hein? Bon, bon, bon appétit, alors. Je commence! Oh, non. Où sont passées les jeunes filles? Je me suis régalé. Elles sont parties. Pas de doute, c'est lui. On dirait bien que j'ai perdu mon temps une fois de plus. Attendez un peu, vous allez où comme ça? Et mon entraînement, vous l'avez oublié? Je me fiche de ton entraînement, à cause de toi j'ai raté ma collecte d'informations. Information tu parles? Je vous signale que moi non plus je n'ai pas de temps à perdre, surtout dans un endroit pareil. Je dois m'entraîner sans arrêt, surpasser les autres, réussir l'examen des Chunin et devenir Hokage.
Tes histoires ne m'intéressent pas le moins du monde, petit. Tu me fais perdre un temps précieux. Tu n'es qu'un petit importun. J'ai absolument besoin d'une jolie jeune fille, comme celle que j'ai trouvée tout à l'heure, pour avoir de nouvelles idées de roman. Je vois. Vous voulez donc que je vous trouve une jolie jeune fille? Pas de problème! Bon sang! C'est moi que vous regardez comme ça? Arrêtez, vous me gênez! Quelle sublime jeune fille! Elle me plaît! 20 sur 20! Mais qu'il est bête! Exactement mon type de femme! Elle est sublime! J'adore! Dis-moi, comment appelles-tu cette incroyable technique? Eh bien, j'ai toujours appelé ça le sexy jutsu. Oh, j'ai des tas d'idées de romans qui me viennent. Tu es un véritable génie. Je vais finir par croire que cette technique marche sur tous les adultes. Alors, on va reprendre mon entraînement? Oui, mais à une condition. À une condition? Laquelle? La condition, c'est que devant moi, tu devras toujours prendre cette apparence. J'en étais sûr! Vous n'êtes qu'un obsédé, espèce d'ermite panette! Pas du tout! Je suis un écrivain, je te l'ai dit! Menteur, ça ne sert à rien de le nier! C'est vrai, j'avoue. Ça y est, il l'admet ouvertement. Bon, tu sais, je plaisantais tout à l'heure. Je veux bien être ton instructeur. C'est encore une de vos plaisanteries? C'est sérieux, et un ermite n'a qu'une parole. Maintenant, petit, reprends l'entraînement là où tu en étais tout à l'heure. Bon, d'accord. Allons-y. Et toi, j'abandonnerai tout de suite, mon garçon. Taisez-vous! Je n'ai pas besoin de ces vêtements, après tout. Bon, recommence à malaxer ton chakra. Quoi? Encore? Allez, ne discute pas. Et toi? Eh, tu sais que tu es trognon en sous-vêtements. Taisez-vous et arrêtez de me déranger! J'essaie de me concentrer, voyons! Oh, pardon, pardon. Continue, petit, je t'en prie. Il va me rendre fou! Alors le voici, le sceau qui retient le démon renard à neuf queues. Un quadruple sceau en double sceau. Ça doit être la méthode propre au haké, j'imagine. Ils sont disposés de façon à ce qu'un peu de chakra du démon qui s'échappe du quadruple sceau vienne se mêler à celui du gamin. Le quatrième. Il voulait protéger cet enfant. Mais après, le sceau des cinq éléments l'a bloqué. Un sceau impair par-dessus un sceau pair.
Son chakra et celui du démon se mélangent difficilement. Ça n'a rien d'étonnant qu'il n'arrive pas à bien malaxer son chakra. Arrêtez, arrêtez, vous me chatouillez là. Excuse-moi. Quelqu'un a rajouté ce son. Et le travail a été bâclé. Tout à fait, le genre d'Orochima. Allez, petit, lève les bras, s'il te plaît. Tu ne risques rien, fais ce que je te dis, lève les bras. Il me donne des consignes bizarres, celui-là. Destruction du sceau des cinq éléments. Ne crains rien. J'ai simplement touché quelques points de relaxation. Allez, retourne essayer de marcher sur l'eau. Vas-y. Quoi ? Oh. Oh. De lui apprendre à maîtriser le chakra du démon renard. C'est génial, j'y arrive! Allez, petit, sors de l'eau. Je vais t'enseigner une technique que j'ai en réserve. Vous êtes sérieux? Une technique secrète, un jutsu zigouillard? Avant que je ne t'enseigne cette technique, petit, il y a d'abord quelque chose que tu dois comprendre. Tu n'as peut-être pas encore réalisé ta situation. Tu possèdes deux sortes de chakras. Quoi ? Deux sortes ? Dis-moi, jusqu'à présent, tu n'as jamais senti en toi un chakra particulier. Un chakra particulier ? En y repensant, il y a bien eu des fois où j'ai senti le chakra jaillir hors de moi tout d'un coup et où je sentais une force phénoménale m'envahir. Mais... pour tout vous dire, sur le moment, je n'ai rien compris à ce qui m'arrivait. C'est normal. En tous les cas, je me rappelle avoir ressenti un chakra différent de mon chakra habituel. Si je leur donnais une couleur, je dirais qu'il est bleu d'habitude. Mais là, ce chakra me semblait plutôt rouge. Je vois. Bon, l'entraînement est terminé pour aujourd'hui. Quoi ? Déjà ? Et la technique secrète ? Je suis encore d'attaque pour travailler, moi ! Il faut savoir prendre son temps pour s'entraîner. Il y a une source d'eau chaude ici. Profitons que nous sommes à côté pour prendre un bon bain. Sauf si tu préfères marcher dessus. Rien de tel qu'un bon petit verre de saké après l'entraînement. Hé, l'ermite Panette, dites, c'est quoi cette technique secrète au juste? Tu dois attendre demain pour le savoir. Oh, en rabat-joie! S'il reste trop longtemps dans l'eau, on mangera du crapaud bouilli ce soir. Je suis désolé de t'avoir pris ton élève. Et bisous. Ce n'est rien. Mais je vous avoue que je suis surpris.
Maître Okage a envoyé ses meilleurs limiers retrouver votre trace, mais ils ont tous échoué. Vous aviez disparu. Et finalement, vous êtes dans ce petit village. Maître Okage sera ravi. Tu as dit au troisième Okage que tu m'avais retrouvé? Non, pas encore. Parfait, c'est beaucoup mieux ainsi. C'est à cause de Orochimaru que vous êtes ici? Non, malheureusement, ce n'est pas à cause de lui, non. Comment? Je suis passé dans ce village simplement pour trouver de nouvelles idées pour mon roman. Tu le sais, je n'ai jamais aimé m'occuper des problèmes des autres. Mais que dites-vous? Ce n'est pas possible! Vous devez être au courant! Pour vaincre Orochimaru, qui est l'un des trois ninjas de la légende, nous avons besoin d'un autre des membres de ce trio légendaire, vous, Jiraiya!